Lis pour nous Nombre chapitre 11, versets 1 à 3. Read for us Numbers chapter 11, reading from verse 1 to verse 3. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Amen. Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verse 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé. Beloved brethren. Si les enfants de Dieu, if the children of God, ne se réjouissent pas, do not rejoice, leur témoignage est incomplet. Their testimony will not be something. La joie des enfants de Dieu, the joy of the children of God, est une arme de conquête. It's a weapon of conquest. Les enfants de Dieu doivent prouver au monde, the children of God must prove qu'ils to the sont, world qu'ils sont satisfaits en Dieu, that they are satisfied in God, qu'ils sont heureux, that they are happy, qu'ils sont affranchis, that they are released, qu'ils ont la vision, that they have the vision du monde à venir, of the coming world. Quand ils sont, quand ils pleurent, when they cry, quand ils murmurent, when they murmur, quand ils sont tristes, when they are sad, ils sont en train de dire aux païens, they are telling unbelievers, qu'il n'y a rien ici, that there is nothing here. Vous pouvez rester là où vous êtes. You can remain where you are. Pire. And what is worse, quand ils convoitent le monde, when they long for the things of the world, tout ce que nous faisons, whatever we do, s'il n'y a pas la joie du salut, if there is not the joy of s'il salvation, pas la joie de la vie en Christ, if there is no joy of life in Christ, nous sommes des misérables. Then we are miserable. Et nous ne travaillons pas pour le règne de Christ. And we are not working for the reign. Les enfants d'Israël, the children of Israel, délivrés de l'Égypte, delivered from Egypt, avaient chanté un cantique. They sang a song. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. The Lord, we celebrate you, your name is magnificent. Et après cela, and after that, ils se sont mis à murmurer. They started murmuring. Une vie de murmure, a life of murmuring, qui a amené Dieu à les frapper, that brought God to strike them, comme des païens. As unbelievers, Dieu aime la joie du salut. God loves the joy Dieu of salvation. Aime un peuple, God loves a people, qui est satisfait en Christ, who is satisfied et in Christ, Christ seul. In Christ alone. Paul dit, Paul says, pour lui, for him, il ne prend pas sa vie comme si elle est précieuse. He does not consider his life as precious. Ce qui importe pour lui, what is important for c'est him, d'accomplir l'œuvre de Dieu avec joie. Is to accomplish the word of God, the work of God with joy. Il dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. He said, I do not count my life comme si elle m'était précieuse. As if it is precious. Beaucoup de frères, many brethren, parce que leur vie est précieuse, think that their life is precious, qu'elle ne peut pas être sacrifiée, that it cannot be sacrificed, pour la gloire de Dieu, for the glory of il God. La protège, they protect il la protège, they protect il la protège. They protect it. Et ils murmurent, and they murmur, quand elle est frustrée, when they are frustrated. Et ils murmurent même contre Dieu, they even murmur against God. Et Dieu les juge, and God judges them. Et Dieu les frappe, God strikes là them. Ce n'est pas l'ennemi, this is not the enemy. Là c'est pas la sorcellerie, it is not witchcraft. Là c'est le Seigneur, it is the Lord, jaloux de sa gloire, jealous of his glory, n'est pas satisfait, he is not satisfied, des enfants qui ne chantent pas des cantiques,
He's not satisfied of the children des enfants qui ne se réjouissent pas. Who do not sing songs. Des enfants qui ne servent pas avec joie. Who do not rejoice and serve with joy. Il dit même ceux qui donnent. Even, he said even those who give. Ils doivent donner avec joie. They must give with joy. S'il n'y a pas de joie. If there is no joy. Dans ton service. In your service. Il est rejeté. It is rejected. Et les problèmes que tu vas rencontrer. And the troubles that you meet. Ne viennent pas de l'ennemi. Do not come from the enemy. Ne viennent pas de la malédiction humaine. It doesn't come from a human curse. Dieu God est contre is against un faux témoignage. A false testimony. Il donne l'impression aux païens. He gives the impression to qu'il n'y a rien dans la maison de Dieu. To the unbeliever that there's nothing quand in the house tu of God. Marches avec Dieu. When you walk with God. Et que tes regards sont derrière. And your eyes are behind. Sur les choses que tu as laissées. On the things that you have forsaken. C'est un mauvais témoignage. It's a bad testimony. Ça salit le nom de Dieu. You are getting the name ça of God. Ça frustre ses desseins dans les nations. You frustrate the goals of God in the nations. Il te juge. And he judges you. Il te juge. He judges you. Il te juge. He judges you. Le Seigneur me faisait comprendre aujourd'hui. The Lord made me understand today. Il faut que les enfants soient joyeux. That the children of God must be joyeux. Joyful. Joyful. D'être en Christ. To be in Christ. Pas même. Not avoir even. Été béni. Not for being blessed. Pas pour avoir été guéri. Not for being pas healed. Pour avoir été délivré. Not for being delivered. Mais le fait seulement. But they do it. Jésus a écrit leur nom dans le livre de vie. Simply because Jesus has written the name in the book doivent, of life. Ils doivent danser tous les jours. They must dance always. Ils doivent chanter des cantiques. They must sing songs. Quand on leur demande, when they ask them, qu'est-ce que vous avez même, qu'est-ce que Jésus vous a même donné? What Jesus gave you? Ils doivent dire, they must say, Jésus Christ, Jesus a écrit nos noms, has written dans our le names livre de vie, in the Lamb book of life. Quand la trompette sonnera, when the trumpet sounds, nous serons transportés, we will be transported dans les airs. In the air. Nous allons rencontrer Jésus we dans shall les airs. Meet Jesus in the air. C'est le plus grand cadeau, frère. And it is the greatest gift. Ne soyons pas aveugles. Let us not be blind. Quand les païens te demanderont, when they unbelievers, qu'est-ce que vous avez même reçu là-bas? Ask you the question, what have you received? Ne citez pas l'argent, les voitures. Do not quote citons la vie éternelle. That quote eternal la vie éternelle. Everlasting life. La vie éternelle. Everlasting life. La félicité éternelle. Everlasting life. Le bonheur éternel. Happiness. Et notre Père sera glorifié. And our Father will be glorified. Il sera honoré. He will be honored. Il est dit. C'est à lui le règne, la gloire, glory, la puissance, power, l'honneur, and honor, la richesse, rich, la sagesse. And wisdom. Il est là. He is there. Quand il nous regarde, when he looks at us, s'il voit les pleurs, if he sees les murmures, cries and the complaints, les rétrogrades, les découragements, and the discouragement, il est frustré. He is frustrated parce que notre vie, because our life, bloque son plan de salut. That blocks his plan of salvation. Réjouissons-nous, frères. Let's rejoice, brethren. D'être des enfants de Dieu. To be children of God. L'apôtre Jean disait. Apostle voyez de quel amour see which love le Père nous a aimés the Father loved pour que nous soyons appelés enfants de for Dieu. Us to be called children of God. Il y en a qui ne voient pas ça. Some do not see that. Ils ne voient pas ça. They don't see that. Ils aiment leur vie. They love their life. Ils veulent que Dieu s'occupe d'eux. They want God to take care of them. Absolument comme ils pensent. As they think. Mais Dieu te montre ton statut. But God shows you your status. Il est écrit. It is written. Il nous a fait asseoir avec lui. He has made us sit with him. Dans les lieux célestes. In heavenly realms. On écoute. We listen. Mais ça ne donne pas de joie. But it does not give us joy. Ça ne donne pas de joie. It doesn't give us joy. Lève-nous. Let's stand on our feet. Dis à Dieu. Tell God. Pardonne-moi. Forgive me. Dis à Dieu, je suis fou, je suis insensé. Tell God that I am fool, I'm je a fool. Je suis aveugle. I am a blind. Je ne connais rien. I don't know anything. Dis à Dieu. Tell God. Mon cœur. My heart. A détruit le témoignage. Have destroyed the testimony. Dis à Dieu. Tell God. Mes larmes. My tears. Mes larmes. My tears. Ont frustré tes desseins. Have frustrated your goals. Dis à Dieu. Tell God. Ma vie. My life. Ne peut pas attirer les païens. Cannot attract pagans. Dis à Dieu, quand les païens me regardent, when pagans look at me, il n'y a rien à envier. They have nothing to envy. Ils n'ont rien à envier à moi. They have nothing to envy in me. Parce que mon témoignage est faux. Continuons à prier. Let's pray. Go back,
Oh Père, pardonne-moi. Donne-moi la joie, Seigneur. La joie du salut. La joie du salut. La joie de la grâce. La joie de la paix en toi. Oh Père. Écoute, listen. Quand Dieu a dit à Satan, when God told Satan que Job est un homme juste, that Job was a righteous man, qu'il craint Dieu, that he fears God, il se détourne du mal, and he departs from evil, le diable lui a dit, the devil told him, tout ce que l'homme a, whatever a man has, il peut donner ça pour sa vie, he can give it for his life. Touche un peu sa santé. Just touch his health. Si Dieu, si le diable dit la même chose à Dieu à ton sujet, if the devil says the same thing to God about you, qu'est-ce qui va se passer? What will happen? Mais Dieu connaissait Job. But God knew Job. Il était vraiment un enfant de Dieu. He was truly a son of God. Sinon, le diable était en train de dire une vérité. If not, the devil was saying the truth. Les hommes, quelqu'un peut abandonner Dieu parce qu'il a faim. That somebody can abandon God because he's hungry. Que tu les vois danser là, touche un peu à leur vie, tu vas voir. You see them dancing, just touch the life you see. Ils vont partir en disant ils sont découragés. They will go saying that they are discouraged. Que les choses ne changent pas. That things do not change. Tu regardes même que la personne qui dit que les choses ne changent pas, tu vois plein d'ingratitude. And you, when you look at the person who say that things are not changing, you can feel he's filled with ungratefulness. Dieu nous a révélé le secret du succès en lui. God has revealed to us the secret of success in him. Renonce à toi-même. Do not think about yourself. Renonce à toi-même. You have to deny yourself. Dis à toi-même. Tell to yourself que tu n'es rien. That you are nothing. Tu verras, les choses vont changer. You see that things will change. Dis à toi-même. Tell to yourself que même si je meurs, even if I die, pourvu que j'accomplisse le travail, provided I fulfill the work que Dieu m'a donné, that God has entrusted to me, you shall see. Regardez le nombre de personnes qui ne vont pas aux assemblées. Look at the number of people who do not go to the assembly. Les assemblées touchent même pas. And they are not even moved. Ils ne souffrent même pas. They don't even suffer. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, whether they are there or not, they don't care. On ne voit pas le prix we don't que les see gens payent the price that people pay pour que l'œuvre de Dieu avance. For the work of God to move ahead. Ils sont conscients de leur vie. And they are aware of their life. Et pour eux, leur vie est précieuse. For them, their life is precious. Même leur prière, even their prayer, c'est pour protéger leur vie. Is to protect their life. Leur culte, their service, c'est pour protéger leur vie. Is to protect their life. Il n'y a pas de sacrifice. There's no sacrifice. Personne ne dit, no one says, je veux produire un effort supplémentaire, sacrificiel. I want to make an extra effort, a sacrifice. Il y a le rythme est normal. The rhythm is normal. Il n'y a pas de pression. There's no pressure. Il n'y a pas, rien ne trouble nothing le sommeil. Disturbs their sleep. Ça, c'est une vie de manque de consécration. It's a life of lack of consecration. Le Seigneur ne commence à utiliser un homme qu'après sa consécration. The Lord starts using a man just after his consecration. Ça, c'est une vérité fondamentale. This is a basical truth. J'étais en Christ. I was in Christ. Je faisais beaucoup de choses. I did a lot of things. Mais je n'étais pas consacré. But I was not consecrated. Quand Dieu m'a touché, when God moved me, j'ai pris une retraite. I took a retreat. Avec 3 jours de retraite. 3 days of retreat. Pour aller régler mon cœur. To go and settle my heart. Par rapport à l'œuvre de Dieu. Regarding the work of God. Et j'ai donné ma vie. And I gave my life à l'œuvre de Dieu. To the work of comme God. J'avais donné ma vie à Christ. As I gave my life to j'étais Christ. En Christ. I was in Christ. Mais je n'avais pas donné ma vie à l'évangile. But I had not given my life to the gospel. Et j'avais pris un stylo.
And I took a pen et une feuille. And a paper. J'ai écrit une lettre au frère Zach. I wrote a letter to Brother Zach. Je lui ai dit, sache qu'à partir d'aujourd'hui, I told him that you must know that from today on, tu as quelque part, you are somewhere, un serviteur, you have a servant, disponible, who is available, pour tous les besoins du for ministère, all the needs of the ministry. Dans mon esprit, in my spirit, in my je mind, me disais, même si on me dit d'aller balayer le sol à la maison de l'Évangile, I told myself that even if they tell me to go and clean, je veux partir. The house, I will go. À l'époque, j'étais encore chef de service régional. At that time, I was a head, a regional head in my work. Pendant que je priais, while I was praying, le Saint-Esprit est descendu sur moi. The Holy Spirit came down in my et house. Dieu m'a dit, allez prêcher l'Évangile. And God taught me, go and preach allez the gospel. L'Évangile. Go and preach the gospel. Et j'avais chanté. And I sung. Et je chantais. I was singing. Je te connais. I know you. Jésus. Jesus. Je te connais. I know you. Jésus. Jesus. Je te connais. I know you. Jésus. Jesus. Tu es le fils de Dieu. You are the son je of God. T'adore, I worship you. Emmanuel. Je t'adore, I worship fils you. De Dieu. Son of God. T'adore, I worship you. Tu es tender Father, le roi des rois. You are the king et of le kings. Saint-Esprit était descendu sur moi. And the Holy Spirit came on down on me. Et lundi j'ai rendu visite. And on Monday I paid a visit. Il y avait quelqu'un qui était malade. Somebody was sick. On a dit le frère Boniface est venu. And they said that Brother Boniface has come. Il s'est mis à trembler. He started shaking. On m'a dit il y a quelqu'un qui est malade. On dit que il dit que quand il a entendu ton nom, il s'est mis à trembler. And they told me that somebody was sick, and they said that when he heard your j'ai name, he started shaking. I asked them to bring him. Dès qu'elle est sortie de la chambre, as soon as that person came out of the bedroom, elle a vomi. That person vomited. Le démon est parti. And the demon went. C'était la preuve, c'était le témoignage que Dieu avait accepté la retraite. It was this was an evidence that God accepted my retreat. Elle est guérie sur le champ. Somebody was that person was healed on the spot. Et mon faisait de disciple m'a rendu témoignage. And my disciple maker testified. C'est ça qui m'a amené à vous expliquer cela. That's why I am explaining this to you. Je ne lui avais pas dit que j'allais à la retraite. I didn't even tell him that I was going to retreat. Il a eu une vision. He got a vision. J'avais un tuyau en main. He had un tuyau d'eau. He has the tap in his hand. Et je me lavais. And I had a tap and j'avais I was washing. J'avais des habits blancs transparents. And I had a garment, a white je garment. Me lavais, je chantais, je I was washing myself chantais. And I was singing, washing and singing. J'ai compris. I understood que le manque de consécration that the lack of consecration est un péché. Is a sin. Prenons ça au sérieux. Let's take this earnestly. J'étais en Christ. I was in Christ. Je faisais beaucoup de choses. I was doing a lot of things. Mais ce n'est qu'après ça. It is just after that que Dieu a montré à mon faisait disciple. That God showed my disciple que j'étais en train de me sanctifier that I was véritablement. Sanctifying myself truly. Et le baptême avait été renouvelé. And the baptism was renewed. Dépassant même le degré du jour du baptême. More than dans le Saint-Esprit. More than the level at which I was baptized. Donne toi à Jésus. Give your life to Jesus. Sincèrement. Sincerely. Dis-lui que ta vie n'est rien. Tell him that your life is nothing. Dis-lui qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Tell him to do what qu'il t'amène où il veut. To make of you whatever he wants and take you what he wants. Ne recule pas comme si tu étais quelque chose. Tu recules pour protéger quelque chose. Do not come back as if you are something. C'est un honneur. It was a honor. Quand Dieu te révèle ses desseins. When God reveals his goals to you. It's a honor. Il y a des gens qui ne connaissent pas les desseins de Dieu. There are people who do not know the goals of God. Mais toi, tu connais les desseins de Dieu. But you know the purposes of God. Tu les méprises. You despise tu them. Tu te comportes comme si tu n'avais jamais connu les desseins de Dieu. You behave as if you have never Dieu known ne te the purposes pas. Of God. Dieu ne te bénira pas. God will not bless Dieu you. Dieu bénit l'offrande qui est sur l'autel. God blesses the offering which is on the c'est altar. Là, ce qui lui appartient doit être sur l'autel. What belongs to the Lord must be on the altar. Il est dit lier la victime avec les cordes, amenez-la sur les cordes de l'autel. It is said that bind the victim with a rope and bring it on the altar. Quel est ce sacrifice qui est indépendant qui se promène? What is that sort of sacrifice which is independent? La victime qui appartient à Dieu est liée. The victim that belongs to God is bound. Déposé sur l'autel. And set on the et altar. Le feu de Dieu descend. And the fire of God consume la victime. And consume it. Et l'odeur. And the scent.
Et son odeur, l'agréable odeur, monte vers Dieu. And a pleasant smell goes up to une God. Une odeur agréable sort d'une victime consacrée, liée. A pleasant smell comes out of such a sacrifice and goes to God. Retourne où tu étais. And go back where you are. Place-toi sur l'autel. On the altar. Dis à Dieu, envoie le feu. That's where the Lord brings down fire. Dis à Dieu, envoie le feu sur moi maintenant. And tell God, bring down fire on me now. Je ne protège plus rien. I will no more protect anything. Tu es digne. You are worthy. Tu es digne. You are worthy. Tu mérites. You deserve. Prends tout, Seigneur. You deserve. Take everything. Et quand tu chanteras ce cantique, quand tu diras, prends tout, Seigneur. When you tell God, take everything. Ça sera la vérité. It is be true. Prions ensemble. Let's pray together. Oh, prends tout, Seigneur. Oh!
dans nos vies. Tu Seigneur, possède-nous ce jour. Assieds-toi, tu gardes le calme. Garde le calme et permet que le Seigneur donne la réponse à ton offrande. Remain calm and allow the Lord to give answer to your offering. Que son feu descende sur toi. Let his fire come down on you. Que son feu descende sur toi. Que le feu du Seigneur descende sur toi. May the fire from heaven come down on you. Qu'il agrée ton offrande. May true knowledge. Qu'il agrée ton offrande. That he grant your request. Et pendant que son feu te consume, que les ennemis se retirent.
While his fire is consuming you, let the enemy get away. Que tes dons soient renouvelés. May your gift be renewed. Commence à dire merci à Jésus. Start thanking the Lord. Quand tu rentres, when you get back home, passe le temps avec ton père. Spend time with your father. Ne lui demande rien. Do not ask him anything. Dis-lui de te prendre. Tell him to take you comme une offrande. As an offering. Médite sur Romains chapitre 12 verset 1 à 3. Meditate on Romans chapter 12 reading from verse 1 to 2. Tu lis. You read it. Tu lis. Tu you lis. Read it. You read it. Et tu pries. And you pray. Tu médites aussi dans le psaume 118. You also meditate in Psalm 118. Verset 27. Verse 27. Et tu pries. And you pray. Dieu va s'occuper de tes sujets. God will care for your topics. Occupe-toi de sa grandeur en toi. Take care of his greatness in you. Le travail d'aujourd'hui et demain. The work for today and tomorrow. C'est que nos vies soient des trônes où Dieu peut régner. That our life be some thrones where God can reign. Quand nous disons que ton règne vienne. When we say let your reign come. Que ce soit vrai. Que ce soit vrai. Let it be true. Lui-même va. Vous verrez le sort qu'il va réserver à nos ennemis. You will see what he will do to our enemies. Sans même que tu aies dit Seigneur délivre-moi. Without you saying Lord deliver me. Tu verras ce qu'il va faire. You will see what he will do. Donne-toi. Give yourself. Et envoyez la nouvelle aux frères. And give the news to the brethren. Que le combat est arrivé au niveau où Dieu veut nos vies même. The battle is at a level where God wants, desires our lives. Consacré pour lui. Lives that are consecrated sur to him. L'autel. On the altar. Nous, si ça s'accomplit. If this is fulfilled. Il va faire trembler le séjour des morts. He will make Hades shake. Il va faire trembler les lieux célestes. He will make heavenly realms shake. Donc va à la maison. So go back home. Joyeusement. Joyfully. Personnellement, mon cœur est rempli de joie. Personally, my heart is full of joy. Depuis l'après-midi. Since quand le Seigneur m'a parlé, when the Lord spoke to me, j'ai changé mon cœur. I changed my heart. J'ai changé mes pensées. I changed my thoughts. Va dans la grâce. Go in the favor, in grace. Amen. Amen.